cette brutalité qu'il y a quelque part en Sam. Notons d'ailleurs que c'est au départ c'est Samuel et qu'il oui. signe ses œuvres Sam oui. À partir d'un certain moment où oui. effectivement. C'est à partir du moment où il comprend, où il comprend la démarche artistique voilà, qui signe Sam en majuscule. C'est ça, voilà. Avant c'est Samuel qui veut dire mon nom est Dieu. Je suis né à la campagne et j'ai grandi dans une ambiance, je dirais pas religieuse, mais extrêmement protestante. La proximité de Genève vous donne un avant-goût de ce que ça peut être. Et donc, non seulement il y a la connaissance des textes, mais en plus, il y a toute une forme de vie sociale retenue, coincée, pour dire les choses simplement. Où la manifestation de l'affection n'existe pas, où moi j'ai jamais vu mes parents s'embrasser par exemple. Et donc Samuel il est né là-dedans, donc les noms sont des noms bibliques en général, Emmanuel, Samuel, et puis en même temps c'est couplé à des noms paysans, et il sort d'une famille où les gens vont à l'église, ils vont au culte le dimanche, voilà. Et Samuel il aime assez ça parce qu'on chante, c'est rigolo, il y a de la lumière, peut jouer avec ses doigts dans la lumière. Mais les personnes qui l'emmènent au culte, son oncle en particulier, d'abord son père puis son oncle, sont très désapprobateurs. Il faudrait se tenir bien. C'est pas drôle, on ne rit pas, on ne chante pas, on n'est pas heureux. voilà. Ça fait partie du décor, mais c'est un décor que j'ai bien connu. Donc, comme disait Téchiné, le fait de faire un peu d'auto-fiction, ça permet d'éviter de faire trop de recherches parce qu'on sait de quoi on parle. voilà. Et justement, à travers l'art, on comprend bien aussi que Sam s'autorise donc à être lui-même, à ne pas subir les choses, parce oui. que là, il les prend en main. Et ça va même au-delà. Enfin, dites-moi si j'ai mal interprété, mais ce qui m'a vraiment rendu, je me suis vraiment attachée au personnage de Sam en tant qu'artiste, parce qu'il fait les choses d'une façon simple, directe, et en même temps, il attend une seule chose, c'est d'être connu, d'être visible. Oui, oui. Et il est conscient malgré tout que, puisqu'il est traité, pour reprendre les termes de l'époque, de crétin du village, il ne sera jamais reconnu à sa juste valeur. Oui. Ça, c'est un peu le cas de tous les artistes. Donc, oui, c'est vrai que c'est l'idée qu'on a de soi n'est pas forcément celle que, oui, c'est vrai. Que le public a. Et pour Sam, je crois qu'il a besoin, ça c'est aussi le cas de tous les artistes et je crois de tous les êtres vivants, il a surtout besoin qu'on l'aime. Voilà, ouais. Il a besoin d'amour. Et puis ça, c'est plus difficile à réaliser. Mais il y a des moments où il l'obtient, ça, avec Philomène. Il y a des moments où, malgré les calculs, il y a des instants de grâce. Et ça, je crois que c'est. Oui, je crois que c'est la vie, ça. Il y a des moments où ça vaut vraiment la peine d'être vécu, puis d'autres moments où c'est plus difficile. D'ailleurs, les femmes dans votre roman, lui. Elles sont bien, hein? Elles sont bien, oui. Les garçons, un peu moins, mais. Les femmes. Mais elles sont bien, mais parce que. C'est quasiment avec les femmes qu'il s'autorise à être lui-même et puis à le. Oui, c'est elles qui le portent. Mais c'est une réalité, je crois. J'enfonce des portes ouvertes. Je crois que le rapport. Bon. Là encore, il y a aussi la religion protestante, le rapport que j'ai avec mon père et tout ça, qui est d'une austérité totale. Il a 101 ans actuellement, papa. Et on se voit une fois par année. On ne s'embrasse pas. Voilà, c'est comme ça. Je l'aime bien. Pas plus que ça, il m'aime bien, pas plus que ça, c'est carré, cadré, on se respecte. Je l'ai vu embrasser maman pour la première fois il y a 2 ans en arrière. Elle était à l'hôpital, il a eu peur, il l'a embrassée sur la bouche. Je me suis dit, mon Dieu, je sors, ça va devenir pornographique. Donc tout ça, ça fait partie de l'éducation de Sam, ce fond de ma famille. C'est-à-dire les paysans riches qui doivent vendre leurs terres par alcoolisme et tout ça, c'est toute la légende de ma famille, du
depuis 1860 jusqu'en 1900, la vente de la dernière maison, c'est juste après la guerre, 1847-48. Le château, voilà, la grosse ferme, la déconfiture finale, c'est 48. Et les histoires qui sont racontées de l'oncle qui est alcoolique ou des cousins qui sont tombés dans la fosse à Purin, ça, c'est des histoires qu'on raconte. Enfin, toute la paysannerie, j'ai beaucoup travaillé en Normandie, il y avait les mêmes histoires que dans le canton de Vaud, c'est vraiment une constante, quoi. Sauf qu'en Normandie, c'était le cidre et la pomme et pas le petit vin blanc. Mais c'est la même chose. Et donc Sam, il est porté par les femmes. Il est en deuil de la tendresse, surtout la tendresse de sa mère, parce que je crois qu'il l'a pas bien connue. Et il redécouvre des choses, même qui sont quelquefois. Après, quand il sera plus grand, donc le roman commence, il a 14 ans. Il se rappelle de ce qui se passait quand il avait 8 ans et avant, mais il a 14 ans quand il commence à parler. Et ensuite, ça finit en 17. On peut concevoir qu'il arrive à 26, 27, 28 ans par là. Ça peut bouger, hein, ça peut se déplacer. C'est une question qu'on s'est posée aussi Oui, au niveau du roman. On n'arrive pas parce qu'il n'a réellement à pas lui vraiment donner un âge. d'âge. Il n'a Il n'a pas pas d'âge. d'âge. Ces enfants-là n'ont pas vraiment d'âge. Clément, il a 15 ans et c'est un ravi de la crèche, c'est un ange. J'ai l'impression qu'il a peut-être 8 ans, peut-être 7, mais pas beaucoup plus. Et pourtant, c'est un grand gars magnifique, en pleine forme. Qui demande un traitement particulier. Voilà. Il est déguisé en monsieur à partir d'un certain moment parce qu'il vend ses toiles, ça va à peu près. Et puis il fait un voyage en Amérique du Sud où, sur des questions d'héritage, il obtient un peu enfin, des moyens financiers et une garde-robe. Alors quand il revient en Europe ensuite, il est un peu habillé en monsieur. Mais il se sent déguisé, il se sent tout le temps en train de porter le vêtement des morts et tout. Il n'est pas. Alors, c'est une remarque qu'il a à un moment Oui. dans le roman, c'est qu'il est toujours en train de porter des vêtements des morts. Oui. Mais ça, c'est aussi une époque où on jetait pas les vêtements et on les achetait pas à la douzaine. Et les vêtements étaient repris, refaits, retaillés jusqu'à l'usure la plus complète. Je pense qu'on est plusieurs ici à avoir porté les vêtements de ses frères et sœurs quand on était petits. C'était comme ça. Voilà, parce que c'était aussi des questions d'économie qui étaient tout à fait différentes de celles qu'on vit maintenant et probablement plus saines, à mon avis, en tout cas. Et dans l'idée de porter les vêtements des morts, c'est aussi le poids des morts sur la vie. Peut-être c'est parce que j'entre dans un âge où il y en a davantage, peut-être, je ne sais pas, mais tout d'un coup, ça m'a paru évident que ceux qui nous accompagnent, ils restent vivants, mais ils ont une importance. Ils restent vivants, enfin, ils continuent à influencer les choix d'existence malgré le temps et malgré l'éloignement physique. Alors, pour enchaîner sur toute cette partie autour de l'art de Sam, il y a un personnage, j'aime bien l'appeler un personnage dans votre roman qui est très très important, c'est l'architecture. Oui. On a énormément de descriptions de bâtiments, donc tout le roman s'ouvre d'ailleurs sur la description de l'église. Puisque Sam est emmené par le fils du pasteur pour des actes un peu inavouables dans Dans l'église. l'église. Donc il y a toute la traversée du cimetière, l'entrée dans l'église. Et on a très très souvent des pages et des pages de description d'architecture. C'était un des titres possibles au tout début de l'écriture, architecture. Et puis, parce que je trouvais bon, il y a une grosse part de la nature aussi. Oui. Sam va beaucoup en forêt, il est souvent seul, et quand il est seul, il se réfugie dans la nature. Et il a des rapports privilégiés
avec les animaux sauvages, avec les rochers, avec les arbres, il y a quelque chose de l'intime qui est fort. Mais il est également souvent dans des maisons et des églises, et donc, comme il dessine le monde, il dessine les maisons. Et quand il sera dans la maison de son oncle, qui est une grande maison qui est un peu inoccupée, comme ça, à l'abandon, il n'arrivera pas à avoir une vision claire, et il travaillera longtemps à avoir une vision claire des plans de cette maison, des plans volumes même. Il a toujours peur que derrière certaines portes se cachent des monstres ou des choses comme ça. Et voilà, donc il y a beaucoup de descriptions d'architecture, de pièces. La description de l'église, j'y tenais beaucoup parce que je trouve que le langage de l'architecture gothique, c'est comme l'héraldique, c'est une dimension poétique pour moi magnifique. Alors, j'avais un chapitre qui était à peu près un tiers plus long que celui que vous avez lu. Et puis, mon éditeur a été assez sévère. Il m'a demandé, disons, d'aller plus vite à l'essentiel et de renoncer à certains termes techniques. J'ai essayé de faire une balance en conservant la poésie des termes et en renonçant à des termes trop spécialisés et où le dictionnaire devient tellement nécessaire que ça ralentit la lecture et que c'est pas intéressant. De même, pour la fin, il y avait beaucoup de considérations philosophiques. Et là aussi, mon éditeur m'a demandé de raccourcir et d'aller vite à l'essentiel en épurant un peu. Alors j'ai essayé de garder les pensées auxquelles je tenais. Et je crois que mon éditeur est un homme sensé et qui a raison et que c'est un vrai travail d'édition que de rediscuter du texte et de donner un avis. Et c'est souvent sur le rythme, parce qu'on a des complaisances en tant qu'auteur. Tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai pas envie de raccourcir ça, j'ai eu envie d'écrire ces descriptions. Et puis, comme toujours, on laisse le texte dans le tiroir un moment, puis quand on le ressort, c'est plus facile. Et si on a quelqu'un qui vous accompagne dans les coupes, c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà, donc ça s'appelait architecture. Mais enfin, ça s'est très vite appelé Sam, hein. C'est pas resté longtemps dans cette voie. Mais c'est vrai que c'est l'architecture, la peinture, le dessin, ça se tient un peu, C'est très lié, c'est c'est très lié, très hein. très lié de toute façon. Donc le fait qu'il sache dessiner, qu'il prenne du plaisir à dessiner des détails d'architecture, c'est aussi que le décor de son monde est fait de ça. L'église, c'est dans son enfance, c'est là où est passée sa mère, c'est là où il est obligé d'aller avec le fils du pasteur. Et c'est là où il y a la blessure, C'est les une des rendez-vous du blessures dimanche. d'enfance qui entraînera un besoin de dignité plus tard qui sera fort et violent, parce que je pense que c'est une chose réelle, ça, que les blessures enfantines profondes laissent des traces qui sont portées longtemps et qui orientent une bonne partie de l'existence, en fait.